Mais ça me casse les couilles. Je deviens chiante. Salut. Salut, du coup. C'est moi qui tapote. Oui, je veux. 99. Ok. Je comprends pas. Ah, c'est pour les viewers, le nombre de viewers. De viewers. Mais je parle. En fait, je suis bilingue. C'est pour ça que j'ai dit viewers et pas personne qui regarde mon live, tu vois. Pourquoi tu as cette photo de profil? Tu veux dire toutes les personnes qui font ça dans tous les cas de long? Bah en fait c'est pour être, c'est, ça montre que tu es pour l'avortement, pour contrer tout ce qui est loi d'Amérique, les zinzins de l'espace. Coucou, ça va? Oui, et toi? Alors tu viens de me dire Eddie est mort, d'accord? Tu viens de me spoiler. J'avais pas encore regardé. Merci. Mais pourquoi? Je vous déteste. Je te déteste. Dis-toi, je vais te restreindre, toi. Quoi? J'ai rien compris. Tu fais quoi? Je suis en live. Regardez le casque trop soin que t'as, mon frère. Le petit logo PlayStation. Un peu militaire bleu, quoi. Bah, haha, désolé. Bah non. Même si tu disais désolé, même si tu m'envoyais 8 TikTok Universe, là, quand je ne te pardonnerai pas. Quoique, tu peux toujours essayer. Je te déteste officiellement. Tu es le pire, la pire des personnes, le ou la pire personne, la chose, la pire. Je suis contre l'avortement. Bah d'accord, bah, je sais pas qui t'es, je vais regarder ton compte tout de suite. D'accord, mais à partir du moment où tu t'appelles. J'allais dire les modos, venez-le moi, mais je peux pas. J'ai pas de modo. Parfait. Non, mais parfait. Où est-ce qu'il est? J'espère qu'il est parti du live, celui-là. Bon, il a disparu. Je vois plus. J'espère qu'il est parti, du coup. Je suis contre l'avortement. Il se passe quoi? De la merde, je sais pas. C'est un électricien. Est-ce qu'il faudrait mettre sa famille au courant? Non, faudrait la mettre au jus. C'est quoi l'avortement? Alors en fait c'est quand par exemple admettons qu'une fille bien trop jeune pour avoir un enfant se fasse violer, bah et qu'elle a un enfant derrière, l'avortement ça va être tuer le bébé, enfin tuer le fœtus quoi, pour éviter qu'elle accouche parce qu'elle est trop jeune pour avoir un enfant. C'est ça l'avortement. Et du coup on est pour l'avortement et la Cour suprême d'Amérique est contre l'avortement. Pas forcément jeune. Oui, mais juste quelqu'un qui... T'as raison. Mais juste quelqu'un qui ne veut pas. Qui ne veut pas l'enfant en question. Car j'ai un service auto, oui. Et putain, mais c'est quoi tes questions, toi? Je suis en train de parler de l'avortement. Tu me demandes si... Mais je m'en fous les couilles de Cars. Je regardais ça quand j'avais 8 ans. Ça va? Non, ça va pas. Ok, j'ai compris. Merci pour les gemmes. Putain, mais j'ai trop de gemmes, c'est trop là. Mais elle peut donner l'enfant en adoption. Mais il est con, lui. Mais tu as la douleur d'accoucher, tu ne veux pas subir ça. Et même, c'est... Fin, c'est... Toi, ton enfant, il te voit à la naissance, moi, ma daronne, toi, tu le files à une autre. D'accord? Bah non, pourquoi? Comment ça? Pourquoi? Pourquoi quoi? J'aime les McDo, moi aussi. De quelle couleur est le miroir? Mais ta gueule, la couleur dans du reflet. Putain, Lucas Gamer, la vie de ma mère, je vais te restreindre si tu continues. Merci pour les 30 abos, maintenant les 40. Tiens, je m'abonne. Hop là. Je m'abonne à des gens random maintenant qui écrivent. Attends, je vais faire un truc. Pour voir. Les gens qui regardent le live et qui n'ont pas juste posé leur tête sur le côté. Envoyez l'emoji. Attendez, faut que je trouve un emoji. Un emoji drôle à envoyer pour que je m'abonne à vous. Pour que je trouve un emoji. Proposez des emojis parce que j'ai vu quelqu'un qui avait envoyé un emoji voiture. Du coup, proposez des emojis autres que l'emoji voiture. Karma Fusen, je sais pas pourquoi tu regardes. Pourquoi tu regardes? Pourquoi tu rigoles? Putain, je vais parler. En fait, je suis déconcentrée. Est-ce qu'on peut aller à la vitesse de la lumière? À minuit, on doit dire bonjour ou bonsoir. Pourquoi un emoji? Pourquoi un... Ah, vous proposez les emojis.
Ok, non, bah je pense qu'on va partir directement sur l'emoji kimono, l'emoji kimono orange, voilà. Je m'abonne à vous si vous mettez cet emoji. Voilà, voilà. Bah c'est bien, bah, je vois qu'il y a beaucoup de commentaires qui apparaissent. Ah non, vous êtes en train de chercher l'emoji kimono orange. Oui, attendez, arrêtez d'écrire ta mère. Non, c'est pas le bon kimono, Johan bébé, là. Ok, je te donne une rose gratuite, mais tu me fais de la peine. Alors, c'est pas parce que t'es la première personne à être arrivée sur mon live, d'accord, que tu dois commencer à faire de la merde. Ah, putain, j'arrive pas à cliquer sur vos commentaires, là. Et pourquoi il y a quelqu'un qui met un fantôme? Ah, mais c'est le même, là, de tout à l'heure, qui est contre l'avortement, c'est vrai, pardon. Tapoter, tapoter. Putain, je suis... Ah oui, j'ai envoyé des j'aime sans faire exprès à moi-même. Ah, mais je peux faire ça, c'est trop bien. Attends, je me suis abonné à toi, oui. Et pourquoi? Ah bon, qu'est-ce qui... Putain, j'avais dit que j'allais être restreinte, mais je suis déjà abonné à toi. Et quand vous voyez que je me suis abonné, ça sert à rien de continuer à mettre des kimonos, surtout quand tu mets un qui... Il s'appelle Noah Zepeto. La vie, je vais pleurer. Oh, mais lui là, Tokino Shimizu, là, truc... Mais il est trop smart. Mais j'ai déjà mis Lucas Gamer, je t'ai déjà follow. Il a mis des emojis fantômes parce qu'il a un souci baka. Bah, ça tout prend son sens. Aïe. Mais quelqu'un a une explication à ça, SVP? À cette chose qui pourrait me faire une beubare, en fait, directement. Alors, Noah Zepeto, je ne m'abonnerai pas si je m'abonne, parce que je suis gentille. Comme ça, en fait, je reçois des likes en échange. Déjà, j'ai une rose d'une personne que je ne connais pas, qui ne me connaît pas, qui connaît du coup juste mon prénom. Mais. Funny Videos Editor, Beginner and Anime Edit. Merci pour la. Ça m'envoie des roses, mais qu'est-ce que. Je vous souhaite bien dans votre cerveau. Et bien, putain, mais y a des gens qui envoient encore des kimonos. Ton prénom et ton âge, c'est tout derrière toi. Ça pourrait être un 8. Ah, j'ai déjà donné mon âge sur mes TikTok en plus. Et la vie, vous êtes perché. Noix et péton, je t'ai déjà follow. Ça sert à rien de spammer dans les commentaires. J'ai mal au ventre en plus, vous me cassez les couilles. Arrêtez de vous abonner. J'ai combien d'abonnés moi du coup? Eh, mais je me rapproche des 800 à toi. Et ça serait cool qu'on passe la barre des 1000 en vrai. Pour le moment, mon record, c'est le nombre d'abonnés que j'ai actuellement. Je suis ruinée, MDR. Bah là, ton compte en banque est dans le rouge, mon ref. Hein. Je sais pas si t'es une meuf ou un mec, en fait. Ça peut être 31 ou 13 ans. Mais qu'est-ce que c'est que c'est pas un 8, frère? Tu vois pas? Et là, c'est 31, peut-être? Tu sais que c'est inversé. Tranquille, pas grave. J'espère que c'est pas grave pour toi, parce que si c'était grave, bah, je pense que tu m'aurais pas envoyé, du coup. C'est moi qui aurais été ruinée. Je vais me faire un virement, mon pote. Un virement à moi-même. On va regarder les cartes Pokémon de mon frère. Arthur, viens, on monte tes cartes Pokémon au live. Ils sont dans mon petit sac. Bah, va chercher ton petit sac. Lol, non mais parce qu'il a tout ça de cartes Pokémon, genre. Il est où le souci, Baka? Derrière. Non, j'en ai pas, mais je jure, ça c'est derrière moi. Derrière, il y a quelqu'un. Ah, mais ouais, frère, il y a Casper le fantôme. Ça va, mon rêve? J'avais pas remarqué. Désolé. Je te prenais vraiment pour un bolos, mais là, c'était... je te prends encore plus pour un bolos. Du coup, mon frère a Ectoplasma VMAX. Je m'en bats les couilles. Vrai. Je m'en bats les couilles. Lézargus VMAX. Vrai. Ah, mais Arthur, si tu dis vrai, tout le monde va croire que c'est faux. Hein. C'est des... Mais elle gratte! Commence pas à faire.